Ok, chers développeurs, retourne notre cours sur Pedgar House avec l'étape 5 sur la définition des résolveurs. Alors, pour rappel, nous avons abordé l'étape 1 qui était la création du projet, l'étape 2 qui était l'installation des technologies, l'étape 3 qui était la définition du schéma. Et pour l'étape 4, nous avons souscrit à une autre méthode. Nous avons dit qu'on devait commencer par de fausses données. En principe, ici, ça devait être MongoDB, mais pour tester notre API, si notre API fonctionne normalement, nous avons défini une base de données fictive qui est celle-ci, une base de données qui est une liste d'objets. Chaque objet représente une annonce de notre logement. Alors, pour revenir à notre cours, nous sommes actuellement à l'étape 5 qui est la définition des résolveurs. Et bien évidemment, nous allons définir deux types de resolver, les key resolver et les mutation resolver. Alors, Apollo, dans sa documentation que vous pouvez consulter ici, a une définition des resolver. Alors, les resolvers permettent au serveur Apollo de savoir comment requérir les données pour chaque type défini. Alors, vous définissez à partir de type def, nous pouvons voir. Ici, vous définissez vos données. Vous les définissez ici à partir de table. Alors, vous avez votre schéma. Maintenant, il faut les données pour chaque type défini ici dans notre schéma. Et c'est en cela que les résolveurs sont utiles. Et comme on l'a dit, c'est une part très importante de notre API GraphQL. Je me mêle un peu les pédales. Alors, c'est ce que dit justement la documentation. A resolver is a function that is responsive for populating the data for a single field in your schema. Sur le schema. Voilà. Je sais bien lire l'anglais, mais parler, c'est plutôt un autre problème. Alors, je passe à quelque chose de plus intéressant pour qu'on avance. Il faut savoir que dans les opérations de base de données, on a l'acronyme CRUD que vous connaissez tous. Nous pouvons, pour les opérations de base de données, nous pouvons créer des données, nous pouvons lire des données, nous pouvons mettre à jour, comme nous pouvons supprimer. Alors, lorsque vous avez votre téléphone, c'est des opérations qu'on exécute tous les jours. Par exemple, dans votre téléphone, vous avez les contacts. Vous pouvez créer des contacts, vous pouvez voir ou lire un contact, vous pouvez mettre à jour un contact au cas où un de vos contacts change de numéro, comme vous pouvez supprimer un contact. C'est la même chose qu'on fait lorsque vous avez un bloc. Vous pouvez créer un billet de bloc, vous pouvez lire un billet de bloc, vous pouvez mettre à jour un billet de bloc, comme vous pouvez supprimer. Alors, ces différentes opérations, c'est la base des données. Alors, pour GraphQL, on effectue les mêmes opérations pour les données. Je vous ai dit que le back-end, à la majorité concernait les données et le front-end concernait l'interface utilisateur. Alors, une application, c'est juste les mouvements de données entre différents services ou différents API. Alors, pour les opérations graphiques, lorsqu'il s'agit de créer des données, on utilise mutation. Lorsqu'il s'agit de lire, on utilise key. Lorsqu'il s'agit de mettre à jour ces mutations, toujours lorsqu'il s'agit de supprimer ces mutations. Alors, dans notre définition de schéma, nous n'avons défini que le type query et le type mutation. Mais on a uniquement défini la suppression de logement. Vous pouvez bien voir cela très facilement ici. Je vais ici baisser terminal. Vous pouvez voir ça et vous voyez bien qu'ici, après avoir défini le type objet qui est logement de l'application, nous avons défini le type query et nous avons défini le type mutation. Donc, nous avons défini ces deux types. Et conséquemment, lorsque vous définissez ces types, il faut des fonctions justement qui vont répondre à ces définitions avec des données. Et c'est la raison pour laquelle nous aurons deux résolveurs. Nous aurons un résolveur logement. Parce que le résolveur, c'est particulier que ça doit être nommé exactement comme cela a été fait dans votre définition de schéma. Donc nous allons définir le résolveur logement et nous allons définir le résolveur supprimer logement. Et tout cela, ce sera des fonctions. À la seule différence que le résolveur
supprimer le logement a besoin de l'idée, du moins, a besoin d'identifier l'item qu'il doit supprimer. Mais cela nous réunira. Alors, nous allons commencer par d'abord la documentation. Que dit la documentation? Je me mets les pédales ici. La documentation va nous aider à. Oui, ok. Moi, je vais copier, je ne vais pas me casser la tête. Je vais aller à Resolver. Ok, à Resolver, je vais coller. Alors, l'exemple de la documentation, c'était plutôt les livres qu'on définissait. Vous voyez bien, si vous allez, vous verrez que dans la définition du schéma des livres, c'est la même dénomination. Vous pouvez bien évidemment contrôler la définition du schéma. Vous voyez que dans la définition du schéma, on avait défini un type query, book. Et le résolveur se nomme exactement ainsi, book. Donc, nous allons faire pareil ici, nous n'allons pas, et là nous allons définir le schéma. Ok, et nous allons définir un type. Pour l'instant, on enlève la fonction arrow, et là nous allons définir un type notation. C'est ainsi que j'ai défini ça. Ok. Bon. Il faudrait respecter. C'est vrai qu'en enregistrant, Prétier va essayer d'aligner tout ça, mais j'aime bien faire cela moi-même. Alors. Qu'il n'y a pas de souci à ce niveau. Problème, il faut savoir que l'une des qualités que vous aurez en tant que développeur, c'est de savoir analyser les erreurs et trouver des solutions. Et l'avantage que l'on a lorsqu'on a TypeScript, c'est que TypeScript, lorsqu'il y a une erreur dans votre code, vous voyez bien au niveau même de votre terminal et au niveau, vous voyez des points rouges qui apparaissent. Cela veut dire qu'il y a un souci avec votre code. Mais pour l'instant, je ne sais pas encore où est-ce que se trouve le problème. Et je vais très rapidement le savoir. Bon, logement, j'espère que j'ai bien écrit. Je vais aller dans la définition du type. Bon, il y a un petit souci ici parce que les deux doivent être semblables, même au niveau des majuscules et des minuscules. Donc, je vais essayer de corriger ici. Je préfère aller avec la minuscule. Ok. Qu'est-ce que j'ai comme erreur? Expression expected. Derrière moi, je vois pas l'erreur. Bon, je me dis que en mettant une fonction après, ça va aller. Comme l'opération n'est pas complète, je me dis que c'est pour cela. Il attend bien évidemment une fonction. Alors, pour retourner à notre cours, à PetGarage, comme je le disais, on va définir ces deux fonctions, la fonction logement et la fonction suppression logement. Alors, avant d'avancer, il faut savoir que la fonction logement va nous permettre d'afficher la liste des logements. Et c'est ce que l'on avait défini dans notre type. Notre type, on avait dit logement et on avait mis des crochets logement. Logement qui renvoie à ceci qui avait été défini. Donc, en mettant les crochets, on acceptait que le type query, normalement, doit présenter une liste, comme donner une liste de logements. Alors, c'est donc cela que nous allons faire ici en expliquant à Apollo Server comment est-ce qu'il va rendre cette liste de logements. Donc c'est une fonction qui doit être exécutée pour que l'on ait la liste
des logements. Alors, il faut savoir que pour avoir ces listes de logements, RAF QL nous exige de présenter nos résolveurs d'une certaine façon. Nos résolveurs, j'ai fait une copie dans la documentation. Nos résolveurs, vous avez le nom et vous avez entre parenthèses les différents éléments. Là, cette fléchette vous fait comprendre que c'est une fonction arrow. Là, nous allons le faire normalement. Donc, ici, on a ceci. Le field name, nous l'avons déjà mis. Ici, field name, c'est cela. Deux points. Et nous mettons parenthèse. Et nous allons mettre une fonction arrow. Alors, la fonction, vous voyez bien que ici a disparu parce que j'ai déjà fait une expression. L'erreur a disparu. Il me reste juste que cette erreur. Donc, forcément, TypeScript attendait une fonction et bien évidemment, lorsque la fonction a été mise, elle a disparu. Alors, dans la parenthèse, il y a les arguments que Apollo exige. Il exige 4 arguments. Parent, arg, context, info. Il faut savoir que tous ces arguments ne sont pas obligatoires. Les arguments qui sont obligatoires sont beaucoup plus parent et arg. Les autres ne sont pas obligatoires. Vous pouvez laisser context et info. Pour les détails, je vous conseille de lire la documentation parce que moi-même, pour en arriver là, je ne peux pas vous mentir. J'ai lu la documentation énormément et beaucoup expérimenté. Et parfois, ça s'écoulait sur plusieurs jours. Donc, ce n'est pas parce que je présente les choses aussi simplement qu'elles sont simples. Non, pas du tout. Mais je dois vous dire que c'est grâce à cela qu'on apprend plus. Alors, pour revenir à l'argument, le parent, bon, voilà, c'est la valeur de retour du resolver parent. Et ici, on n'a pas de resolver parent. C'est assez complexe, mais pour aller très vite, et je dois tout simplement vous dire que comme ces deux éléments sont obligatoires, lorsque vous ne les avez pas, la documentation vous demande de mettre ceci. Là, vous pouvez les avoir à partir de votre touche 8. Alors, que ce soit parrain ou arg, parrain, vous pouvez mettre un premier tiret. Et pour arg, vous mettez deux tirets lorsque la valeur ne figure pas. Pour le reste, ce n'est pas obligatoire. Et ce que nous allons faire, nous allons mettre le premier tiret de 8 et nous allons mettre le deuxième tiret. C'est bon. Et maintenant, nous allons définir ce qui doit être retourné. Alors, je l'ai dit dans ici, ce qui doit être retourné, c'est la liste des logements. Et la liste des logements, on l'a ici dans notre fausse base de données. C'est ce que nous allons faire. Nous allons donc retourner dans, je dois rappeler, je sais pertinemment que return n'est pas obligatoire lorsqu'on fait les out fonction. Ce n'est pas encore clair dans ma tête, mais je vais. Ok, vous voyez bien, lorsque j'ai mis return logement, cela a été importé automatiquement de, ouais, cela a été importé automatiquement. Pourquoi cela a été importé automatiquement? C'est parce que j'ai installé l'extension TypeScript Importer, qui est une extension que j'utilise abondamment. Lorsque vous faites une importation, du moins lorsque vous mentionnez une variable qui a été exportée, elle est importée automatiquement. Bon, dans ce côté, je ne touche pas. Mais là, je ne comprends pas pourquoi ils ont mis default. C'est parce que j'ai exporté en default. Bon, ils sont ça comme ça. Pas se compliquer là. Et là maintenant, nous allons passer avec le deuxième point qui est le resolver. J'ai pas un clavier ergonomique. Alors, pour le resolver, vous voyez bien, lorsque j'ai mis l'expression, la fonction
l'erreur a disparu au niveau de TypeScript. C'est en cela que TypeScript est très utilisé. Vraiment, moi je recommande aux débutants de solliciter cet outil qui est très 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 magnifique. C'est impossible. Moi, je ne peux plus travailler en TypeScript. TypeScript est mon outil favori. À moins que l'outil soit déjà conçu comme Apollo Server a été écrit avec TypeScript. À ce moment, les choses sont plus simples. Alors, pour revenir à notre deuxième résolveur, supprimer le logement. À partir de l'idée d'un logement, supprimer le logement de la base donnée. Ok. Ici, là, c'est pareil. Comme je vous l'ai dit, on met. Pour l'élément parent, il n'en a pas. Pour l'idée, bien évidemment, on va mettre l'idée ici. Et l'idée sera. L'idée sera définie. Je vais revenir là-dessus sur la définition de l'idée. Mais nous allons d'abord mettre pour l'idée, nous allons d'abord mettre le prochain. Nous allons définir l'idée. Si je le définis là, ça sera de la triche. Alors, que doit nous donner l'élément suppression, supprimer le logement? Il faut bien que le logement soit supprimé de la base de données. Voilà notre base de données. Notre base de données, c'est une liste d'objets. Il faudrait que lorsque vous fournissiez l'idée de cet objet, qu'elle soit supprimée, que tout ceci soit supprimé de notre liste d'objets. Alors, pour supprimer une liste d'objets, un élément d'une liste, et il faut chercher la méthode qui va avec. Moi, j'ai fait des recherches et j'ai trouvé la méthode, mais dans le cas où vous êtes coincé, vous pouvez aller à Google, parce que il y a aussi un autre point que l'on n'aborde pas dans les formations que vous verrez en Udemy ou dans les cours. Une bonne partie du travail d'un développeur concerne la recherche et surtout le débogage. Le débogage qui est aussi lié à la recherche. Lorsque vous êtes coincé, il faut savoir rechercher, il faut savoir utiliser Google. Google, c'est un élément incontournable. Il est vrai qu'il y a des clusters de points où on peut facilement trouver une réponse. Normalement, Stack Overflow, qui est très utilisé, qui est un forum très utilisé par les développeurs. Vous pouvez aussi aller à Spectrum, il y a Discord. Il y a plein de forums ou d'espaces d'échange et de discussion où on peut trouver des solutions. Et je pense que l'une des qualités, c'est de savoir poser vos questions dans ces forums de discussion, de rechercher les problèmes que les autres avaient posés bien avant. Parce que vous n'êtes pas le premier à rencontrer un problème. Vous pouvez rencontrer un problème qui avait déjà été traité il y a 2, 3, 4, 5 ans. Et vous pouvez fouiller dans la base et retrouver la solution à votre problème. Alors moi j'ai fait une, pour vous édifier comment les choses se passent, j'ai fait une petite recherche où j'ai tapé supprimer un élément d'une liste dans JavaScript. Alors le premier élément est assez intéressant parce que là il dit bien qu'il y a deux moyens de suppression mais qui n'ont pas les mêmes conséquences. Le premier élément c'est l'opération delete. J'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Je vois bien que il y a la méthode split et le mot-clé delete qui sont proposés pour supprimer un élément. Alors, je vois bien que l'opérateur delete permet de retirer une propriété d'un objet. Non, ce n'est pas ce que je veux. Je ne veux pas le retrait de la propriété d'un objet. Ce n'est pas l'objet. C'est plutôt la suppression d'un élément d'une liste. Alors, il y a deux sources que vous pouvez utiliser pour avoir les détails. Parce que mon attention se porte sur celui-ci. Il y a deux sources que vous pouvez avoir pour supprimer un élément. Et le premier c'est MDN. MDN, tout le monde connaît MDN. Lorsque vous voulez des détails bien précis d'une technique, je vous appuie sur MDN. Vous avez aussi W3School qui est aussi un élément très intéressant. Alors c'est dans ces deux sources de documentation que je suis allé piquer le fonctionnement de la méthode split qui fonctionne bien évidemment sur les listes qui est appelée en anglais array. Moi j'appelle ça liste parce que cela, pour moi, comment je peux dire ça? Pour moi, c'est plus, j'associe beaucoup plus à une liste, bien que la traduction que j'observe dans
la documentation MDN, c'est plutôt tableau. Tableau, ça me parle pas. Tableau me renvoie à un tableau. Liste, oui. Pour moi, ça sonne mieux. Alors, dans la MDN, il y a la syntaxe de cette méthode de Split qui est proposée, que j'ai copiée et j'ai collé bien évidemment dans la diapositive de mon cours. Alors là, vous voyez bien, va à tape élément supprimé égale array.split début nom machin. Et bien évidemment, dans la documentation, c'est bien détaillé ici. Vous pouvez lire, mais pour vous raccourcir, je dois dire cette méthode renvoie un tableau d'éléments supprimés, c'est-à-dire une liste d'éléments supprimés. Si vous voulez, c'est une liste d'éléments supprimés. Et pour avoir ces listes d'éléments supprimés, le premier élément commun, c'est array. Array, c'est-à-dire la liste. C'est ce que nous allons faire dans notre commun. Premier élément commun, c'est la liste. Alors, je mets la liste. Deuxième élément commun, c'est Split, la méthode, vous voyez bien, la méthode est proposée automatiquement parce que c'est une méthode qui est déjà, c'est une méthode native définie pour tous les types array dans JavaScript. Alors, entre parenthèses, il y a des éléments que cette méthode parle entre parenthèses. Le premier élément, c'est nommé ici début. En réalité, c'est le début. Vous pouvez aller dans la documentation. On dit bien l'indice à partir duquel on commence à changer la liste. L'indice du premier élément étant 0. Disons, prenons 0. 0. Allons-y avec 0. Point virgule et on met. Pardon. Virgule. Prenons 0. D'abord, dans un premier élément. Nous sommes à la conception de notre résolveur. Le résolveur supprimé logiquement. Et maintenant, le deuxième élément, c'est le nombre à supprimer. Combien d'éléments on veut supprimer dans notre tableau? C'est cela. Un entier indiquant le nombre d'anciens éléments à remplacer. Voilà. Bon. Moi, je suis convaincu que cela n'a pas été bien traduit. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours tendance, lorsque je lis la documentation MDN, elle est passée en mode English. J'ai toujours cette tendance. Voilà. Une intégrale indiquée de nombre, finalement, il dirait au mot forme de stats. Ok. C'est un seul élément qu'on veut supprimer. C'est un seul élément. C'est pour cela que on fournit son idée ici au niveau des arguments. Donc là, je vais mettre idée. Ok. Je vais mettre 1. Voilà. Voilà donc comment se présente. Et le troisième élément, c'est ce point-ci, qui est une liste. Alors on va voir ce que dit la documentation. Ces listes représentent les éléments à ajouter à notre liste, les éléments ajoutés à partir du début. If you don't specify any elements, place we only remove elements from array. Voilà. Alors, ici, le troisième point de la méthode split concerne les éléments qu'on veut ajouter. Mais si on ne spécifie pas les éléments, alors il va juste faire le retrait. Et nous n'allons pas spécifier, bien évidemment, l'élément. Sauf que dans ce point, nous sommes ici, là. C'est une liste, mais en réalité c'est une liste d'objets. Il faut faire très attention, c'est une liste d'objets. L'élément ID que nous fournissons à supprimer logement pour qu'il supprime est contenu dans un objet. C'est contenu à l'intérieur d'un objet, ce n'est pas accessible. Donc forcément, si vous fournissez cet élément, il ne sera pas du tout accessible. Alors, comment fournir cet élément? C'est très simple. Nous allons faire du looping. Là, je vais couper. Oh.
je mets d'abord je mets d'abord la formule du moins si je fais le truc et puis après et plus plus j'ai pas un bon clavier pour l'instant mais je vais me débrouiller avec le Dan. Je vais mettre là ici et l'élément du début ce sera l'élément ce sera i et là je vais là ok je vais vous expliquer cela très simplement. Alors, ce qui se passe, c'est que nous allons faire voilà, avec l'enregistrement, c'est plus clair. Ce que nous allons faire, c'est que nous allons faire pour tout élément. C'est une méthode conditionnelle pour tout élément. Commençant par i. Si vous pouvez que i soit inférieur à DB logement, la taille de la liste qui est ici 3 i plus plus. En fait, il va faire un looping à l'intérieur de la base de données. Il va faire un looping à l'intérieur de la base de données. Et bien évidemment, à partir de cela, il va retourner le tableau d'éléments supprimés. Et dans le tableau d'éléments supprimés, il va retourner juste le premier élément. Vous savez que l'index d'une liste commence par 0. L'index d'une liste commence par 0. Et bien évidemment, c'est une méthode de. On peut dire. Comment je peux dire ça? C'est une méthode. C'est une méthode. Non, je pense qu'il faudrait que j'arrête ici. Je vais faire. Comment dire ça? Un schéma pour vous expliquer cela. Parce qu'en parlant. Et les choses ne seront pas claires. Il faudrait que je fasse un schéma où je vous explique l'algorithme qui est présenté ici. Je pense que ce que nous allons faire dans la vidéo suivante, je pense que c'est la meilleure méthode parce que je n'arrive pas à trouver les mots pour vous expliquer la formule. Pourtant, je l'entends bien dans la tête, mais il faudrait bien évidemment un schéma. À tout de suite pour notre schéma.